j'ai une annonce à vous faire. Je vous présente notre nouvelle maison. Alors, là, c'est... ça va partir. Donc là, je vous fais un petit room tour sans les trucs. Donc là, c'est la cuisine. Comment je vais faire? Je vais essayer de faire. Là. Voilà, ça, c'est la cuisine. Donc là, il y a l'espace pour la cuisine. Là, un petit coin juste en bas. Là, c'est le salon. Là, il y a une séparation comme ceci. Il fait nuit, donc c'est pour ça que l'image n'est pas très claire. Ensuite, ici, c'est la chambre de Harine. Donc voilà, il y a un clim à l'intérieur. Donc voilà, petite chambre de Harine. C'est une... Attendez, je vais essayer de... Je vais essayer de voir. 1, 2, 3. Et après, 1, 2, 2 et demi. On va dire que c'est un petit 6 mètres carrés ou 7 mètres carrés. Ensuite, on va passer... Donc là, c'est encore le salon. Là, il y a un petit bout. Je pense que là, c'est pour mettre... la machine à laver ou je sais pas. Donc ça, c'est le meuble de la cuisine. On arrive à une deuxième chambre. C'est ta chambre ici? Oui, parce que donc là, là c'est la chambre de Erwan et Ethan. Voilà, donc c'est une grande chambre plutôt, hein. 1, 2, 3 plus ou moins 4. 1, 2, 3, 4, 16 mètres carrés à peu près. 16 mètres carrés. Ensuite, on va passer à la prochaine chambre. Là, il est arrivé. On va passer. C'est à qui? C'est ma chambre avec Stefano. Donc, c'est une très grande chambre. Je vais essayer de montrer. Je vais voir. Je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Donc 21, plus ou moins. 21 mètres carrés. Oula! Oh, il y a un scorpion. Donc 21 mètres carrés à peu près. Montre à papa, hein, parce que plus c'est petit, plus c'est dangereux. Là, il y a un petit couloir. Ensuite, on passe à la salle de bain. Donc voilà, on n'a plus de baignoire du coup, mais franchement, c'est 10 000 fois mieux. Hein. Franchement, là, on voit ça. Donc là, il y a une douche. C'est en vitré. Donc là, il y a la petite fenêtre. Un grand lavabo. La petite lumière, le carreau est juste super parce que c'est facile à nettoyer. Enfin, j'espère. Hein. Donc, ces carreaux en bas aussi. Arrête de jouer avec la lumière. Et ici, c'est comme ça. Voilà. Ah. Ensuite, on passe aux toilettes. Donc, voilà, très, très, très intéressante. Cette petite pièce. Ouh, là, il y a du caca. Qui a fait caca dedans? Alors, ensuite, là, c'est la chambre de... Il y a un clim aussi. Fichou et Dia. Donc, c'est quand même aussi une grande chambre. Hein. Là, il y a une fenêtre. Alors, je vous montre. 1, 2, 3, 4. À peu près 16 mètres carrés. Donc, franchement, c'est une grande chambre, moi, je trouve. Hein. Vous regardez les enfants. Voilà. Ensuite, je vous montre un petit peu l'extérieur. Et là, il fait nuit, du coup, ça se voit pas trop. On a une grande terrasse devant. Franchement, c'est très joli, c'est agréable. Et de l'autre côté, bah, c'est l'extérieur, mais c'est tout noir, donc je ne peux pas vous montrer. Mais on voilà, voilà la nouvelle, la bonne nouvelle. Nous avons trouvé une maison.
qui nous correspond. Tu veux dormir ici? On va essayer de tout faire dimanche. Normalement. Voilà. Et là, c'est en peinture, donc je pense que ça va être compliqué. Au pire, on va mettre un truc en tapis. Mais du coup, ça va pas fermer si on met un truc en tapis. Mais voilà. Vous avez tué le scorpion? Oui. D'accord. Anso, tu vas visiter? Oui. Donc là, c'est déjà... Là, il y a déjà un four. Hein? Le hôte. Là, il y a quelques meubles. Je sais pas c'est quoi ce meuble. C'est un... Non, non. Là, il y a un petit casier. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Ouh là là. J'adore. Mais ça, par contre, ça me fait un petit peu peur. J'oserais pas trop faire à manger sur ça, sur ce plan de travail, parce qu'on dirait que c'est fragile. Mais en tout cas, ça, c'est super chouette. C'est super pratique. Parce que du coup, quand on nettoie après, c'est facile. Voilà. Ben voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous annoncer que ben, on va déménager et que je suis super contente parce qu'enfin, finalement, notre dossier a été accepté. Donc, c'est un particulier, hein, c'est pas du social. C'est plus cher que ce qu'on paye maintenant, mais franchement, ça vaut largement le coup parce que vous n'avez pas encore vu l'extérieur. Je vais vous montrer l'extérieur une prochaine fois, mais en tout cas, déjà, l'intérieur, c'est super belle. L'extérieur, il y a plein de trucs encore à faire, mais l'essentiel pour nous, parce qu'on était pressés de déménager, c'est que quand le proprio avait fini les travaux, parce que c'était en travaux, hein, d'où l'état où c'est super bien fait, tout est propre, l'extérieur n'est pas fini encore, donc du coup voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que vous soyez contents pour nous, parce que comme vous avez vu, hein, ça fait plus ou moins un an qu'on cherchait un logement, qu'on nous a fait des refus à chaque fois. Et finalement, grâce à un des clients de Stefano, on a notre maison. Voilà. Voilà, donc c'est lui qui nous a fait confiance en voyant que Stefano travaille pour lui. Il est un client, quoi. Enfin, il sait qu'il est capable de payer quoi, le loyer. Et voilà, c'était ça. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Tu veux faire un ciao, ciao?